Voilà, messieurs, bienvenue à la rubrique à la page de l'émission École des Arts. Plaisir de vous rejoindre, de vous retrouver pour vous apporter cette rubrique dans laquelle nous discutons, nous parlons de livres, nous parlons de littérature, nous recevons des écrivains. C'est un plaisir de vous retrouver. Je dis à nous grand pile plaisir pour nous recevoir un Kokenshin écrivain académicien Guy Gérald Ménard, que nous avons pile plaisir pour nous recevoir. Nous allons découvrir qui est ce qui Kokenshin écrivain ça. Nous allons découvrir parcours Guy Gérald Ménard. Ensemble avec nous, nous allons tourner après. Guy Gérald Ménard fait Port-au-Prince, Haïti, 4 mars 1947. Après études secondaires, il voyageait pour les États-Unis côté il étudiait les affaires commerciales et l'éducation dans l'Université New York et Miami. Depuis qu'il tourne dans le pays, Ménard partageait tant li dans l'activité formation et enseignement universitaire. Lycée professeur communication créole dans l'Université l'État Haïti et lycée secrétaire général Académie créole haïtien. Pendant 20 années, il passait dans la diaspora. Guy Gérald Ménard était actif dans la pratique culturelle communautaire tant que chorale, théâtre, journal et radio. Poèmes li paraît dans plusieurs anthologies et l'autre publication, quitte à l'étranger, quitte en Haïti. Li publié des recueils poésie, Similac et Saison Malais. Monsieur Guy Gérald Ménard, son plaisir pour nous gagner ensemble avec nous. Ce plateau à la page pour nous discuter de parcours, pour nous garder dernier Kokenshin livre ça que vous mettez dehors, qui c'est une légende, il y aurait les Maître Jonas. Nous pourrons garder tout parcours Maître Jonas ensemble avec vous. Comment ça y est, son plaisir pour nous. Eh bien, nous va bien, Jeff, bonsoir. Et je vous remercie pour l'invitation ça vous fait, qui permet de passer l'émission ça, Écho des Arts. Et m'a profité saluer tous les téléspectateurs autour qui suivent nous à soir. Donc, nous passons un petit moment là pour nous capables de parler sur Dakarabdi et développement littérature créole en général, et puis et pratique par moi dans la langue, en tant que producteur, de créateur. Histoire, c'est mémoire, mémoire, c'est qui n'en et écrit, c'est quitter pour l'autre. Ça que nous vivons aujourd'hui, c'est partager les connaissances que nous gagnons. Aujourd'hui, il y a un écrivain qui a écrit en Haïti. Ça veut dire qui ça? Écrit en créole dans le pays. Bon, ça veut dire écrivain ça lui-même a pu participer l'en transmettre, on va dire patrimoine littéraire que nous gagnons, et culture pour génération qui vient après. Et nous connaissons le travail écrivain, son travail qui est ingrat en général. En Haïti, c'est pour un travail qui baille l'argent ou qui a joigné nos deux écrivains qui sont capables de vivre de ça comme métier. Mais en général, mon fait c'est comme passe-temps. Et puis, je me dis, bon, faut remettre ça. Et d'abord, pour intérêt capable de gagner la littérature, plaisir capable de joindre la donne, et puis partager, nécessité pour partager connaissance avec l'autre monde. Et amis ou familles ou, et puis quand on me dit si vous êtes capable de laisser votre expérience par vous, et tradition que vous coutume nous, et pour la génération qui vient joindre nous. Guy Gérald Ménard, c'est professeur de l'Université de l'État, ou a enseigné créole pour étudiants. Quelle genre d'expérience ça y est avec étudiants à l'Université? Bon, il faut que je dise que nous commençons à enseigner créole à l'Université à partir de 1988. Et ce n'est pas une expérience qui était facile. Nous avons commencé, nous capable de dire, avec l'Université des Caraïbes, nous sommes capables de dire c'est la première université ici. Nous connaissons qui enseigne créole à niveau. Le niveau, c'est l'université. Et nous avons pensé créole là, et il était difficile pour les étudiants eux-mêmes d'accepter pour créole ça. Parce que pour eux-mêmes, ils ont parlé créole déjà. Donc, c'était difficile. Donc, nous avons pris un temps pour expliquer que nous ne pouvons pas apprendre, ils parlent créole, ils parlent créole déjà. Donc, c'est présenter que là, tant qu'on matche, donc c'est connaissance que tu vas prendre la langue, puis on connaît l'histoire de la langue. Parce que c'est que là, son langue liée, son outil. Donc il faut qu'on ait qui gens, côté outil, ça sorti, qui gens le fait, et qui gens pour manipuler, pour utiliser, pour capable de servir avec le plus bien, pour capable de tirer plus de bénéfices là-dedans.
Donc c'est approche ça nous te fait, puis c'est au fur et à mesure nous montrer que travail sous langue, apprendre nos langues, apprendre utiliser langue, non, les différents que ça relève alphabétisation ou bien juste apprendre écrit et écrire la langue. Évidemment. Antoine Lionel Trouillot, Lionel Trouillot, c'est lui qui préface qu'aucun chien ouvrage ça en créole qui divise en trois textes qui c'est une légende qui aurait les maîtres Jonas. Lionel Trouillot, je crois que c'est pas origine texte là. Mais c'est manière que vous avez ajouté pour le bail texte à vie, pour le bail sens. Vous avez écrit ou même, ou une façon que vous mélangez ou marrandez mots pour jouer une poésie. Bon, comme dit chaque auteur, chaque écrivain, chaque poète, vous avez une façon de parler. Vous comprenez? Pour vous dire marrandez mots, pour utiliser mots. C'est même genre n'importe quel autre artiste qui peint ou bien. Qui sculpte, parce qu'en général, là, lui-même, toujours, c'est travailler sur ce qui est là déjà. Donc, en général, nous toujours regarder ce qui vient avant, nous avons plus d'expérience, nous allons les mettre, donc nous suivons le style, et puis au fur et à mesure qu'on y a, nous allons développer propre style par ou propre expérience par ou. Donc, c'est ça qui fait en général, nous allons toujours demander quand on est qui écrivait qui est marqué. En général, ce n'est pas un seul écrivain qui est marqué ou bien un seul maître qui est marqué. Toujours, c'est plusieurs qui est marqué, et puis qu'on y a, ou même, on vient faire une synthèse à partir de tout. Travail sa expérience sa pour développer ou même propre approche par ou même. Il y a des gens qui ont que écrire en créole, c'est un bagage qui est facile. Écrire en créole, en pile jeune dans le pays, a plein de difficultés que vous avez écrit en créole. Mais dans le gade, Texas, par exemple, il y a une légende pour M. Jonas, nous trouvons qu'il y a une musicalité, une musique dans le monde. Expliquez jeune yo qui nécessité qui gagne là pour yo t'arriver dans la dimension ça. Il faut que nous dit que écriture son travail et ça pas posé pour jeune gapé en créole seulement, ça gapé en français ou n'importe quelle langue parce que yo toujours yo impatient. Depuis jeune n'a écrit deux trois textes, il besoin qu'être publié. Donc son travail lié. Donc c'est pour prendre ça ou non seulement faut lire d'abord parce que faut gagner. Écrit, c'est lit. Oui, c'est lit d'abord. C'est lit d'abord, oui. Parce qu'il faut gagner un train, il faut gagner un matière pour travailler là. Donc, matière, il faut prendre l'autre côté. Pour nous, il faut prendre pour gagner. Donc, il faut ajouter l'autre élément là-dedans. Élément par ou sur l'expérience par ou créativité par ou pour travailler, pour y faire produire. Et l'autre finit à produire lui-même. Il faut garder le produit à qui j'en parais. Et là, ça n'est pas obligé de le corriger, mettre sous côté ça qui n'est pas bon. Et garder le conduit pour créer ton fin fonds. Mais ou pas d'accord, obligé de jeter pour recommencer encore. Donc c'est patience et puis c'est travail. Donc c'est au fur et à mesure où on peut apprendre et puis où on peut venir joindre tout ingrédient, tout ce qu'on a besoin pour capable ou même joindre une performance qui est satisfaisante. Là, il y a les gens, il y aurait les maîtres Jonas, texte ça qui est divisé en trois coquines chaînes, texte, si je dis ça comme ça, pour Lionel Trouillot qui préfère ce livre-là, il était quoi que premier texte là c'est un fable sur intolérance qui t'a source à conséquence ignorance nous choix ça pour orienter premier texte là la catégorie ça pour qui ça choix ça. Alors faut que nous dit nous baille son recueil qui gagne trois textes différents. Bon nous baille recueil là lui-même non texte titre là yon légende de l'élément Jonas. Donc au fait c'est trois textes yon c'est Meni Mewa ou fait parler là. Bon l'autre qui relé et une belle journée et puis gagnant yon légende de l'élément Jonas. Bon là pour nous parler de intolérance là, l'idée qui t'est venu là Meni Mewa c'est en certain moment Lionel Trouillot était réuni deux trois écrivains pour te présenter pour te faire un travail parce que il était besoin de présenter un travail sur la question intolérance, j'en ai intolérant dans la société. Et c'est après un événement qui est passé. Question trois aveugles qui étaient sortis dans Port-au-Prince, qui t'a pas allé quoi des bouquets, quoi des missions. Et puis toi, tu as barré, et puis leur arrivé sous route, ils n'ont pas qu'à continuer. Donc, il a frappé porte-monde. Et moun prend yo, qu'on a dit, c'est le gars où ils ont tué. Donc, c'est à partir de ça, nous dit grand problème, ça, c'est un élément. Mais il y a un problème général qui pose dans la société, un problème d'intolérance. Et l'intolérance, nous parlons au niveau langue seulement, nous au niveau sexe, au niveau différents bagages, différents genres. Donc, moi-même, j'ai choisi l'événement, ça lui-même, donc nous avons pris pour comme point de départ, pour être capable de poser le problème d'intolérance. Et après ça, il y a l'autre bagage qui vient entrer là-dedans, l'expérience, pas un bagage comme songer,
donc créativité pas moins, donc devenons une fiction. Donc là une belle journée, deuxième texte là, l'Enaplil nous révélait que là c'est présenté ou présenté d'Acadie ensemble de actes violence que nous connaît et où tout le troisième texte là on célébré M. Jonas, là on célébré parcours M. Jonas et on montre nécessité côté lié arriver réunir toute une communauté à travers quelque chaîne talent ça que les gars qui c'est façon que la manier bâton. Oui, bon, et pour dire un petit mot sur une belle journée, hein? Alors il faut nous dire tout, bon, moi-même, au fait, trois textes, ça, yo, c'est dire rendre compte de qui j'ai moi-même, moins vivre réalité ça. Donc il y a trois réalités différentes. Et deux premières réalités, yo, première, c'était en Haïti, deuxième, non, c'était troisième, non, mais Jonas. Donc il y a le premier. Il y a deux là-dedans, deux premiers, il y a un événement tragique. Les gens, même Jonas Ali, même quand on dit qu'on a célébré la vie, on a célébré et doit être monsieur, bagay comme ça. Bon, pour M. Jonas, la même fois, on dit tout, ça, c'est une expérience personnelle. Donc, nous avons rencontré M. Jonas, nous avons appris à tirer bâton, moi, je suis avec Lionel, tout. C'est ça que fait Lionel, pour moi, je suis avec l'autre monde qui doit préfacer. Ça va parce qu'il fait la même expérience avec M. Jonas. Donc, nous avons rencontré M. Jonas, nous avons appris à tirer bâton avec Léo Katray. Qui était un élève de Jonas, qu'on a lui-même rencontré M. Jonas. Donc là, nous avons rencontré M. Jonas, qu'on est, on allait la Tibonite, la carrière, monsieur Kafoupey. Donc, j'ai monsieur rencontré nous. Donc, après ça, monsieur pas venu nous mettre, donc on vient nous amener nous. Et ça fait de temps en temps, nous toujours à la Tibonite, il est venu ici lui-même. Et de temps en temps, tout. Donc, son histoire vive. Oui, son histoire que je vive. Et peut-être que Lionel Dieu, après histoire ça, tout, je vais raconter tout, c'est quand vous avez assisté, c'est qu'il a passé. Et pour moi-même, c'était un hommage que j'ai besoin de rendre M. Jonas. Parce que ce n'est pas facile tout, M. Jonas, c'est un produit et zone rurale là. Ce n'est pas facile pour les apprendre un monde, une personnalité hommage pour chercher des gens qui sont dans la zone populaire. Le plus souvent, c'est des gens qui sont dans la capitale là, ou bien pour qui font gros études, vous comprenez. Donc, ça, moi-même, je te dis, je ne suis pas capable, seulement de vivre. Ça a ça le représenter pour moi, vibre. Donc moi je me dis bon, faut me rendre monsieur hommage, c'est pour ça avec le texte. Tout le monde qui a regardé télévision Pacifique là et qui a essayé de comprendre qui ça un grand maître bâton pour tout le monde qui a grandi qui pas une chance ouais mon a joué bâton devant eux qui c'est on t'a dit c'est un martial même jeu bâton qui j'ai nous qu'à expliquer pour oui donc jeu bâton faut le voir tu connais pas un martial donc on a des kung fu en Chine des karaté et en Corée vous comprenez donc un martial ça problème non c'est que et nous avons un problème de communication dans le pays. Donc, nous toujours connaissons ce qui passe de l'autre côté, mais bah, pour ce qui passe la carte, nous ne pas nous, nous pas grand rapport avec nous. Donc, c'est ça qui fait pas qu'on ait tiré le bâton dans la Tibonite, dans le sud-est, dans la Grandance, dans le nord. Donc, ça, lui-même, tirer le bâton en tout, il fait partie quotidien de l'autre bois. Donc, mettre là lui-même, donc, il a passé tout un rituel avant de venir mettre. Donc, vous commencez à passer dans la classe de bâton. Parce que mettre, il a fait classe. Même si on a fait classe, on a étudié, et on a connaissance, on a étudié classique, comme ça, il y a une classe de bâton. Donc, mettre là lui-même, il a une classe, il a formé élève, et élève, il a pu ça, pour venir mettre lui-même. Donc, il a passé un test. Il a fait mon long, une pièce carrée, il y a une grande porte. Et puis, on a bougé lui-même pour bouger en éteindre, et puis mettre la vide bâton, même si paré bâton, jusqu'à ce que vous fassiez la porte sortie. Donc, c'est le service de reconnaître comme maître, et pour pratiquer comme maître. Et bon, l'autre bâton qui est assez intéressant, tout, mettre dans différentes localités, le bon maître, on côté, il a parlé en pile de lui, ou bien on a un autre maître qui saute ton côté, il vient défier monsieur. Pour qu'on ait si il faut vrai. Et le maître, ça a réussi, des pour maître, réussi, battre un autre maître, il prend tout élève dans la veille, il prend classe, c'est maître la perdu dignité, il n'est pas capable d'enseigner encore. Donc, et ça, c'est presque la même histoire pour un film Kung Fu, bah, ça a toujours un groupe, on l'école, pas le bataille, on l'école, type de bagage, ça, on joigne tout la société, ça. Vous commencez premier, alors deuxième texte, ça, une belle journée, avec un petit poésie français. Côté où dit, Marine là, ah, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Nous sentions une nécessité, pendant qu'on parler de, des éléments tragiques, on commençait le texte avec un mot solennel. Bon, alors, il faut qu'on dise tout, chaque texte, il y a gagné un petit un cas que moi-même été. Bon, il y a deux qui sont en créole, l'un en français. Mais là encore tout, c'est parce que moi texte là lui-même moi
et Jean ça que les nouvelles là ben Jean au moins c'est quand on tout et me toujours lié ce qui a passé connait dans le monde contemporain avec ça qui passé déjà avant que nous mettez bout tout coûte en nous dit mon yo qui côté que on quand joindre texte ça pendant que on ca font petit parler nous tout de pèlerin pour nous mettez bout. OK, faut nous dire côté Koukounyan et texte fait sortir li poko dehors mais c'est le 30 la bibliothèque Tabar que n'a fait premier vente tiature. Donc c'est édition Freda qui l'ango naïve, c'est lui-même qui édité livre là. Donc il a fait livre là entrer et à partir de ça Koukounyan a capable dire côté que n'a pas capable joindre livre là mais c'est premier côté l'a sorti, c'est le 30 et 20 10h comme ça a bon vente tiature là bibliothèque Tabar. Pour pèlerin, pourquoi ça m'a utilisé pèlerin? Nous connaissons pèlerin, c'est caoutchouc qu'on vend en Haïti. Et la période, nous connaissons bouleversement en 1986. Côté utilisation, on vient faire de caoutchouc pour mettre dans le commun pour tuer les gens. Et puis on vient baler non pèlerin. Bon, pour moi-même, c'est pas tout un bon bagage pour pèlerin lui-même qui mourit aujourd'hui. Pour c'est ça la postérité a venir songer. Lui-même, tandis que lui pas de rien pour lui avec question de politique, c'est caoutchouc le tabac. Donc, on choisit lui-même comme un protagoniste, lance à lui-même pour bailler un autre personnage, pour nous faire référence à un personnage, ça, un grand monde qui l'a, qui a fait éducation à tout le monde. Qui a raconté compte, qui a dit compte. Exactement. C'est un plaisir pour nous de recevoir Guy Gérald Ménard, académicien courrier, l'Académie créole, et écrivain courrier, conférencier. C'est un plaisir. Merci un peu, Jeff René. C'est un plaisir pour moi tout, pour être capable de vous canter de trois paroles ça, avec vous et avec les spectateurs. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de la rubrique à la page de l'émission Écho des Arts. C'était un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Restez branchés, la télévision Pacifique.